Dans l'avenir, je ne sais pas. Et ce n'est pas moi qu'il faut interroger, c'est Madame Soleil. Mais il paraît qu'elle est morte, je crois, Madame Soleil. Bon, bref. Bien entendu, j'ai commencé ma vie en écrivant à la main, et maintenant, j'écris sur ordinateur. C'est un bénéfice considérable, parce que on peut corriger beaucoup plus facilement, ça va beaucoup plus vite, etc. Oui, mais il y a un autre avantage, c'est qu'autrefois, pendant que j'écrivais, ah, j'ai un problème, je me lève, je vais dans ma bibliothèque voir un dictionnaire, ah, j'ai pas le renseignement. Donc, je m'habille et je vais à la bibliothèque. Mais, donc, c'est un temps considérable. Et aujourd'hui, vous tapez sur Internet, vous avez le renseignement. Et ça, c'est un avantage colossal. Alors, ça ne veut pas dire que je suis contre le livre. Au contraire, j'en fais. C'est mon métier, vous voyez. Mais j'ai quelque chose de plus à dire à ce sujet. Quand vous regardez un ordinateur, vous ouvrez l'ordinateur. Hein, quand il était fermé, vous l'ouvrez. Et quand vous l'ouvrez, vous avez devant vous un écran. Et cet écran, il y a des lignes, une marge. C'est un livre. C'est-à-dire que je crois que les nouvelles technologies n'ont pas encore inventé la technique associée à leur invention. Vous voyez ? Elle est encore à l'époque du livre. Vous voyez ? Bon. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je crois, dans les nouvelles technologies, c'est non seulement le renseignement, mais la rapidité d'obtention de leur renseignement. C'est-à-dire, non seulement vous avez de la mémoire stockée, mais vous avez un souvenir rapide. C'est-à-dire, vous tapez, et vous mettez Talar, et aussitôt, tout arrive sur Talar. Vous voyez, enfin, tout. Pas mal de choses, quoi. Voilà. Par conséquent, moi, je me sers de tout. Voilà. Pour le moment, je dirais volontiers qu'il n'y a pas un qui est bien meilleur que les autres, mais tous accumulés font une avancée extraordinaire de la transmission.